Bon matin, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans le Vlogmas, la première journée du Vlogmas. J'avais tellement hâte de commencer à filmer aujourd'hui. Donc quand je vous filme ça, on est un samedi, je prends un petit peu d'avance pour vous filmer quelques vidéos. Et comme je vous ai dit, je vais filmer le plus possible pendant le mois de décembre pour vous accompagner pendant le temps des fêtes. Donc ce matin, on a pris ça vraiment relax, on s'est fait un bon café et du pain doré. Donc j'ai suivi la recette de Ricardo dans son nouveau livre À la plaque, c'était vraiment bon. Donc je vais aller à l'épicerie ce matin, je vais vous montrer ce que j'achète et bien sûr cet après-midi je veux décorer pour Noël, donc je vais faire mon sapin et le salon. J'ai super hâte de commencer la déco. Je me suis dit quoi de mieux que de décorer pour Noël dans la première journée du Vlogmas. D'ailleurs, j'aimerais ça savoir si vous avez déjà décoré. Laissez-moi un commentaire pour me dire si vous attendiez le mois de décembre ou si vous avez déjà décoré en novembre. Donc maintenant, je vais aller à l'épicerie puis je vous montre en revenant ce que j'ai acheté. Donc je reviens de l'épicerie, je vous montre ce que j'ai acheté. Je suis allée au IGA pour quelques petits trucs et surtout au métro pour faire le reste de mon épicerie. Donc je voulais y aller principalement pour les repas préparés de 3 fois par jour. Donc j'ai pris la cuisse de poulet aux olives et au citron. Je me suis dit que ce serait une bonne option pour les repas où on est un petit peu plus pressé, puis j'avais le goût d'essayer leur repas préparé. J'ai repris de la pâte à biscuits prête à cuire, donc de Felix & Norton. J'ai pris le mélange à 3. Donc c'est des petits biscuits qu'on garde dans le congélateur, puis on peut cuire au four quand on veut. Ensuite, j'ai refait le plein de bières de microbrasserie, donc j'ai regardé surtout celles qui étaient en spécial. Donc j'ai pris celle de Brasseur du Monde, c'est la double IPA qu'on aime beaucoup. J'ai pris celle ici de Alchimiste, une IPA aussi. Et j'ai pris 2 cannes de celle-là ici, la double IPA Saint-Ambroise, une autre qu'on aime beaucoup. J'ai vu que les revues de Noël étaient sorties, donc j'en ai profité et j'ai pris celle de Ricardo avec tout plein d'idées de recettes pour le temps des fêtes. Ensuite, au métro, j'ai vu qu'il y avait plein d'autres revues aussi de Noël. Donc j'ai pris celle-là ici, Recevoir avec Marie-Josée Telfer. Donc je l'avais déjà pris, je pense que c'était pas nécessairement dans le temps de Noël, mais il y avait une recette de soupe que j'aime vraiment beaucoup, la soupe nocelle italienne. Donc je me suis dit qu'il y aurait sûrement des recettes que j'aime dans cette revue-là. J'ai pris celle de Véro, donc avec des idées de cadeaux. Je pense qu'il y a des idées aussi de recettes, puis plein d'autres choses aussi, donc des entrevues, tout ça, donc ça va être intéressant. Et finalement, j'ai pris Coup de pouce, donc ça c'est celle de décembre. Puis il y en a une aussi à l'intérieur pour célébrer, je pense, les 35 ans, quelque chose comme ça. Mais je pense que je me suis trompée parce qu'il y en avait une autre qui était aussi temps des fêtes, en tout cas, que j'aurais dû prendre l'autre, je pense, mais en tout cas, donc j'ai pris ceux-là. Pour les déjeuners, j'ai pris des muffins anglais, j'ai acheté des tomates cerises, j'ai pris 4 piments, il est en spécial. J'ai pris de la crème à cuisson 35%, donc cette semaine, je vais faire la recette de penne sauce rosée de Cassandra Loignon, donc je vais faire ça, donc j'en avais besoin. J'ai pris des bocconcini en perles, donc je vais faire une salade avec ça dedans, j'aime vraiment ça, puis je pense qu'il y a aussi du saucisson. J'ai pris ces popsicles-là aux fruits. Du romarin. J'ai pris du bœuf haché, donc je vais faire un pâté chinois cette semaine. J'ai vu que Ricardo a une recette pour 4 personnes, donc ça va être parfait pour nous deux. Donc j'ai acheté du bœuf haché. J'ai pris 2 steaks faux filet ribeye. Donc ça va être pour ce soir. Je vais faire une sauce chimichurri épicée que j'ai déjà faite d'ailleurs. Je vais vous mettre les liens en barre d'infos, donc c'est sur Pinterest. Puis je vais faire ça souvent avec des légumes. J'ai pris un sac de patates pour le pâté chinois, des raisins, des asperges, du saucisson pour la salade. J'ai pris 2 briques de fromage marbré fort, donc ça j'en utilise souvent dans mes recettes, puis il m'en restait plus. J'ai vu qu'il y avait sorti des petits trucs des fêtes, donc j'ai pris des craquelins comme ça ici avec des petites formes de, je pense c'est une cloche, un petit Père Noël, un bonhomme de neige, puis un petit sapin, donc pour les collations. Il y avait des pâtes en spécial, donc j'ai pris des penne pour la recette de penne sauce rosée, et j'ai pris aussi des rotini. De l'origan frais, des pains à âne carrés, des morceaux de piment marinés, donc ça, ça va aller dans la salade. J'ai pris 2 paquets de gnocchi, j'en avais pas nécessairement besoin cette semaine, mais il était en spécial, donc j'en ai profité. Et des choux de Bruxelles. J'ai pris des échalotes, du persil plat pour le steak ce soir, du brocoli, des champignons, il était en spécial, j'ai pris une autre barquette aussi, du jus au pamplemousse pour les déjeuners, et ce fromage-là que j'aime beaucoup en apéro avec une bonne bière, si vous n'avez pas déjà goûté, il est super bon. Donc c'est de Saint-Guillaume, c'est du fromage non affiné à pâte ferme, tortillon. C'est assez salé, mais c'est vraiment super bon. Et dernier sac, c'est une grosse épicerie. Aujourd'hui, j'ai racheté des œufs, il m'en restait quasiment plus. J'ai pris du lait, donc 2 litres. 2 citrons pour différentes recettes. Je vais faire par exemple la recette de poulet au citron que j'ai vue sur Pinterest. Je l'ai déjà faite, elle est vraiment bonne. Donc j'en ai pris pour ça. Puis il y avait une autre recette, je pense c'est pour la salade aussi. J'ai pris cette bière-là des Brasseurs du Monde. Donc c'est la IPA Milk. Donc ça ressemble à ça ici. Ça dit que c'est une IPA blonde qui est presque crémeuse avec des notes fruitées.
Donc, ça avait l'air bon. Comme il avait sorti les trucs de Noël, j'ai pris des chocolats Lindt à la menthe. La deuxième barquette de champignons. La laitue pour la salade cette semaine. Et de la crème glacée à la vanille. Donc on a commencé à ramasser un peu le salon, puis dès que ça va être propre, on va pouvoir mettre le sapin et les décos. Ça fait un petit bout que je vous ai pas parlé, il est rendu 6h, je viens de terminer la décoration du salon. Simon et moi, on a décoré le sapin. Je suis vraiment contente, là, c'est super beau le salon, puis ça nous met vraiment dans l'ambiance des fêtes. Là. Je suis vraiment contente qu'on aille décorer aujourd'hui. Puis là, c'est ça, j'ai changé de chandail, j'ai mis un rouge à lèvres rouge parce qu'on a pris la photo pour la vidéo. Donc je suis vraiment contente aussi, là, ça fait une belle photo, puis ça nous fait un beau souvenir aussi. Juste filmer, puis changer la caméra de place, le trépied, tout ça, donc ça a pris plus de temps que je pensais. Puis là, dans le fond, je vais préparer le souper. Donc, je vais faire du steak avec la petite sauce, je sais pas comment dire, là, je pense que c'est chimichurri, je pense. Donc, c'est une sauce épicée, dans le fond, avec des fines herbes, puis tu broies ça dans le mélangeur. Puis, j'avais fait déjà, là, c'est sur Pinterest, c'est super bon. Donc, on va faire ça ce soir. Puis, d'ailleurs, je vais vous mettre le lien dans la barre d'infos pour mon rouge à lèvres, si jamais ça vous intéresse, là. C'est la première fois que je le mets, là, je sais pas, je pense que je l'avais acheté, puis je l'ai comme jamais mis. Puis, c'est un rouge à lèvres mat, puis ça tient full bien, là. Sûr que je viens de l'appliquer, là, mais comme, tu sais, j'ai l'impression vraiment qu'il va tenir. Fait que, en tout cas, peut-être que ça pourrait être un bon rouge à lèvres pour le temps des fêtes, ça va être à tester. Donc, je vais aller préparer le souper.
Donc, je vais conclure le vlog ici. Il est à peu près 9 h, donc Simon est déjà prêt à aller se coucher. Il était fatigué. Honnêtement, c'est super bon le souper. Là, si ça vous intéresse, je vais vous mettre le lien en barre d'infos. C'est pas la première fois que je fais cette recette-là, puis c'est super bon là, avec le steak puis la petite sauce. Puis, on a écouté un film de Noël, donc ça fait vraiment du bien. On s'est relaxé. Puis, je trouve que ça fait vraiment cosy là, avec les lumières, puis le sapin, tout ça, la décoration de Noël. Donc, j'ai hâte de décorer encore plus dans l'appartement. Mais je vais faire ça une autre journée du Vlogmas. Si c'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Donc, vous pouvez aussi cliquer sur la petite cloche. Vous allez recevoir une notification quand je vais publier une nouvelle vidéo. Je pense que ça vaut la peine, vu qu'en plus, je vais sortir beaucoup de vidéos pendant le mois de décembre. Comme ça, vous allez être notifié quand il va en avoir une nouvelle. N'oubliez pas de me dire dans les commentaires quand est-ce que vous décorez pour Noël, si vous avez déjà décoré ou si vous allez décorer bientôt. Puis, je vous dis à demain. Bye!